Merci. Je voudrais commencer par dire que on a travaillé pendant 4 jours avec des participants qu'on a constatés enthousiastes. Je pense que tout est lié peut-être au contenu de la formation qui allait en adéquation avec leurs attentes. Nous sommes dans un monde où il y a des épidémies régulières et des épidémies qui seront de plus en plus régulières. Donc on fait en sorte de pouvoir avoir les armes pour se battre en amont. Il ne faut pas attendre, et ça c'est le principe général qu'il faut retenir, il ne faut pas attendre que la crise s'installe pour commencer à réfléchir à la crise. Et on a passé en revue un certain nombre de modules qui permettent aux uns et aux autres, en tant qu'acteurs de terrain, d'être prêts et d'être disponibles pour faire en sorte que ce qui est arrivé par le passé, où on disait qu'on est surpris, ne soit plus ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui. Donc nous pensons que nous avons donné le maximum d'outils et le maximum de concepts pour que la situation soit mieux prise en charge sur le terrain. Et c'est peut-être ce qui fait que nous sommes satisfaits pour notre part. Et ça nous a été traduit à travers le message des participants qui ont reconnu que le contenu était ce qui était attendu. Oui, nous avons déjà au parcours des évaluations, on a fait ce qu'on appelle un pré-test et un post-test. On a vu que le niveau des participants était déjà bien ce qu'il fallait. Maintenant, les évaluations qu'on a regardées déjà au premier plan nous montrent que ce sont des acteurs de terrain qui ont de l'expérience. Et au-delà de l'expérience, ils ont acquis des éléments nouveaux qu'il faudra intégrer maintenant dans les approches. Ça nous a permis de prendre en compte quelques petites erreurs à corriger. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut plus faire comme avant. Les situations évoluent, les épidémies évoluent, il faut que les attitudes évoluent. Et on demande de ne pas oublier surtout la communauté, parce que la communauté, c'est elle qui est déterminante pour changer les choses. Et aujourd'hui, après cette formation, je pense que les différents acteurs mettront la communauté au premier plan, parce que ce que la communauté souhaite, ce qu'elle pense, on doit l'intégrer dans l'approche pour mieux lutter contre les épidémies. Merci beaucoup. Merci.